des tours de magie spectaculaires. Spectacle, c'est ce qu'on appelle de la magie close-up. Tu sais ce que c'est la magie close-up ? Non. C'est de la magie de proximité. Pour ça, on a besoin juste d'un jeu de cartes, on n'a pas besoin de deux. On a ici un petit personnage un peu particulier, c'est un monstre que j'ai dessiné moi-même. Il a des yeux qui bougent. Et on peut voir, il bouge les yeux. Tu vois les yeux qui bougent ? Il faut faire attention parce que les monstres comme ça, ils peuvent te manger aussi. Ta carte, tu vas dessiner une mouche. Dessine-moi une mouche. Je ne sais pas dessiner une mouche. Fais comme tu peux. Fais comme tu peux. Ça va être très simple. C'est pas grave, continue. Je le transforme en E-V-A. Okay. EVA. EVA, nous allons faire un... C'est pas ça? C'est ce que tu as marqué. EVA. Dans la mini. Ah, d'accord. EVA, attention. Nous allons prendre ta carte. Ce qu'on va faire, c'est que... Regarde bien. Et on va la retourner. D'accord? Je la retourne. Tu es prête? Oui. On va essayer de retrouver ta carte. Donc, on va couper le jeu. On a perdu. Et là... On va passer les cartes comme ça. Oh! Tu as vu? Tu as vu? Il a trouvé ta carte. Allez, on peut regarder. Ta carte. D'ailleurs. Et voilà, je vais repasser attention, un petit coup. Ce qu'on va essayer, c'est que juste en prenant le jeu, comme ça, on va essayer de retrouver ta carte. Pour ça, on va prendre juste le jeu. Et là, attention. Ta carte est de nouveau blanche. Est-ce qu'il regarde? Non, regarde. La mouche s'est déjà cachée et est passée dans l'autre paquet. Hallucinant. Il sent la mouche. Il sent la mouche.